Nous en faisons partie. Absolument. C'est la réalité. Ça a toujours été. Mais nous ne sommes pas dedans. Absolument pas. Nous n'avons jamais été vraiment dedans, même lorsque nous y étions. Nous y étions, mais sans en être. Nous y étions, mais en partie seulement. Parfois, les gens me demandent, mais comment ça se fait que vous ne voulez pas en faire partie, puisque vous dites que vous en faites partie? Ils se demandent comment c'est possible. Alors, nous leur disons que nous en faisons partie, en effet, mais que nous ne pouvons pas y être, puisque nous n'y sommes pas. C'est pourtant clair. Nous ne sommes pas en dehors. Tout en n'étant pas dedans. Non, cette façon d'être, en y étant tout en n'en étant pas, ça c'est tout nous. C'est tout nous d'être nous. Ça a toujours été. C'est comme ça. Tu te souviens du temps où nous avons compris que nous étions nous? C'était un vendredi, je crois. Nous étions partis en voyage. En bateau. En bateau, nous préférons le bateau. Ça nous rappelle la mer. Il y eut une violente tempête. Avec des vagues impressionnantes. Avant, c'était levé du côté sud-sud-est. Il y avait du brouillard. Et il pleuvait un petit peu. Nous crûmes perdus. Il nous fallut ménager nos vivres avec beaucoup d'économies. Nous n'avions qu'un tout petit sandwich chacun. Et nous avons bien failli périr. Mais nous survécûmes. Car nous sommes nous, quand même. Oui. Après moultes aventures... Une traversée qui dura à peu près 1h30. Nous avons découvert une terre. C'était un monde nouveau. Exotique. Et il y avait des gens sur le rivage qui nous regardaient. Ils n'étaient pas nus et leur peau était pâle. Ils faisaient des gestes et parlaient leur langage. C'était des êtres étranges. Je pense que c'était des étrangers. En tout cas, ils étaient habillés d'une façon ridicule. Avec des tuniques en fibre végétale. Avec des inscriptions imprimées dans le dos et sur le torse. Mmh, ils avaient les pieds recouverts de peau de vache. Ils mangeaient des choses qu'ils sortaient de boîtes habilement décorées. Voilà, ou de sacs en pâte d'arbre, je pense. Ils buvaient des liquides de couleurs variées. Dans des petites gourdes en pétrole transformé. Et ils parlaient dans des rectangles et se promenaient avec des fils qui pendaient aux oreilles. Ils avaient des rituels, des lois, des mœurs policées et probablement un gouvernement. Oui, ils avaient aussi une agriculture, toute une infrastructure, des routes, des villages. Des villages, des villes assez bien organisées. Et ils cultivaient les arts et dispensaient les savoirs sur de grands panneaux exposés dans les rues. Mmh. Ils avaient l'air d'appartenir à une société civilisée. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Nous avons eu un court instant le sentiment étrange d'être des étrangers. Alors que c'était eux. Nous avons commercé avec eux. Dans la langue du commerce. Nous avions apporté quelques petites choses. Des babioles. Voilà, que nous voulions échanger contre d'autres babioles. Mais au bout d'un moment, nous nous sommes dit que nous étions peut-être en train de nous faire avoir. Nous avons commencé à douter des gens de cette contrée. Ils avaient l'air comme nous. Il n'y a pas de doute. C'était des êtres humains. Évidemment. Mais ils étaient différents. Tout à fait différents. C'est ce que nous nous sommes dit. Ils ne sont pas comme nous. Il n'y a que nous pour être vraiment comme nous. C'est tout nous d'être nous.